Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur demande. Un élève m'a demandé d'expliquer un peu c'est quoi le dénombrement puisque le cours de probabilité du deuxième bac se repose sur ce concept. D'abord, c'est quoi l'étude de dénombrement? L'étude de dénombrement, c'est l'étude de cas possibles, des cas possibles d'une expérience. Ça veut dire, lorsqu'on a une expérience, combien d'issues on peut avoir? Ici, on peut dire que on étudie le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles d'une expérience. Par exemple, lorsqu'on lance une pièce de monnaie, on peut avoir soit pile, soit face. Ça, ce sont les issues possibles. On peut les intégrer dans un ensemble. Donc, l'ensemble, E, comprend soit on a pile, soit on a face dans cette possible, dans cette expérience. Alors, si on dit le nombre de cas possibles, c'est combien? C'est deux cas possibles. Alors, deux cas possibles, ou on dit deux issues. Alors, dans ce cas, on a deux cas possibles et on dit qu'on a le cardinal. Ça veut dire le nombre de possibilités de l'ensemble E de l'expérience est égal à 2. Alors, vous trouvez toujours que lorsqu'on parle du dénombrement, on parle du nombre de cas possibles d'une expérience quelconque. Par exemple, on prend une autre expérience. Lorsqu'on lance un dé cubique qui a 6 faces, numéroté de 1 à 6. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cas possible? On a, par exemple, on appelle ça le dé, l'ensemble dé. On a soit, on peut avoir 1, soit on peut avoir 2, soit on peut avoir 3, soit on peut avoir 4, 5, ou 6 comme issue, ou on dit comme cas ou possibilité de cette expérience. Alors ça, ce sont les cas possibles de cette expérience. Ici, on compte le nombre de cibles. Alors le cardinal de l'ensemble D est égal à 6. Voilà, donc, lorsqu'on prend une expérience, on calcule le nombre de cas possibles. Et on donne le cardinal, on dit qu'on a fait l'étude de dénombrement de cette expérience ou l'étude de nombre de cas possibles de cette expérience. Une autre expérience, lorsqu'on dit, alors le nombre, on a un tirage d'une carte, une carte de ce sac. Alors là, on ne parle pas de probabilité, on parle juste des cas possibles. Alors les cas possibles qu'on peut avoir, soit la première carte, soit la deuxième carte, soit la troisième carte, on peut dire que cet ensemble C contient soit la première carte, la carte 1, la carte 2, ainsi de suite, jusqu'à la carte 10. On peut dire qu'on a le cardinal de l'ensemble C est égal à 10. Voilà, donc je crois que l'étude des cas possibles ou l'étude du dénombrement est très claire. On parle des cas possibles et on ne parle pas de probabilité. Juste, on voit les issues possibles ou les éventualités possibles. Très bien. Là, on a un principe qu'on appelle le principe fondamental du dénombrement. Un principe fondamental du dénombrement. Donc, à quoi sert ce principe fondamental? Donc, ce principe dit, lorsqu'on a une expérience qui se passe sur plusieurs étapes, étape 1, étape 2, étape 3, ainsi de suite, sur plusieurs étapes. Et dans chaque étape, par exemple, on a un nombre de cas possibles. On a par exemple N1, N2, N3, ainsi de suite. Alors, ce principe fondamental du dénombrement, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit que si vous voulez le nombre de cas possibles général de cette expérience, il suffit de multiplier le nombre de cas possibles de chaque étape. Alors là, on a N1 fois N2 fois N3 fois N4, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça nous donne le nombre de cas possibles de cette expérience. Alors, donnons un exemple. Si on a, par exemple, on veut créer un code PIN de 4 chiffres. Et supposons que ces 4 chiffres sont distincts 2 à 2. Ça veut dire que qu'un chiffre ne peut pas se répéter. Et on veut calculer le nombre de cas possibles ou le nombre de numéros ou de code PIN qu'on peut former dans ce code PIN. Alors là, vous pouvez remarquer que on peut diviser cette expérience en 4. On choisit ce premier chiffre, puis ce deuxième chiffre, puis ce troisième chiffre, puis ce quatrième chiffre. On l'appelle ça l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Alors pour l'étape 1, vous pouvez dire que c'est quoi le nombre de cas possibles de choisir un chiffre qu'on peut mettre ici? Soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8, soit 9. Alors on a combien? On a 10 chiffres. Alors pour la deuxième étape, si on a choisi un chiffre pour la première étape, c'est que combien il nous reste pour la deuxième étape? Il nous reste 9 chiffres. On a déjà choisi un chiffre, donc c'est 10 fois 9. Ici, c'est 8, et ici, c'est 7. Alors, le nombre de cas possibles, si on utilise le principe fondamental du dénombrement, ça veut dire c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7, et vous pouvez calculer le nombre de cas possibles de cette expérience. On peut prendre simplement une autre expérience. C'est on lance un dé, on lance un dé, et ce dé, ou on peut simplement prendre, on lance une pièce, mais cette fois on va lancer la pièce 2 fois. C'est quoi les éventualités et c'est quoi le nombre de cas possibles? On peut dire que c'est pile, pile. On peut avoir dans la première pile et en pile, ou pile face, ou face pile, ou face face dans cette expérience où on lance la pièce 2 fois. Alors dans ce cas, on a 4 cas possibles. Donc cette expérience contient 4 issues. On peut prendre cette expérience autrement et dire que l'expérience passe en 2 étapes. La première étape, on lance, étape 1, lance la première fois. Et la deuxième étape, on lance la pièce la deuxième fois. Dans la première étape, si on lance la pièce, combien on a d'issues? Soit pile, soit face. Donc on a 2 issues. On lance la pièce la deuxième fois, combien on a d'issues? On a 2, soit pile, soit face, 2. Alors le principe fondamental du dénombrement dit que on a 2 fois 2, que c'est égal à 4 issues. Maintenant, si on lance la pièce 3 fois, alors vous pouvez avoir pile, 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 face, ainsi de suite. Combien d'issues? Si vous utilisez le principe fondamental du dénombrement, vous pouvez remarquer que l'expérience passe par 3 étapes. Chaque étape a soit pile, soit face, soit pile, soit face, soit pile, soit face. Donc, vous pouvez trouver qu'il y a 2 fois 2 fois 2, il y a 8 cas possibles. Et vous pouvez généraliser ça sur les expériences de ce type. Bien sûr, on peut schématiser ça par un arbre de possibilités, mais je vais faire une vidéo à part dans ce cas, puisqu'elle est demandée aussi par un élève. J'espère que le principe fondamental est compris, ainsi que le dénombrement. Et on va considérer
un autre exemple ou un autre exercice. Donc, on peut prendre par exemple l'expérience d'une course. Une course où on a des athlètes. Et bien sûr, on s'intéresse aux trois premiers de ce course. Le premier, le deuxième et le troisième. Alors, puisqu'on a 10 athlètes, combien on a de cas possibles parmi ces 10 athlètes? Parmi ces 10 athlètes, combien on a de cas possibles? Alors, on a le premier, on a le deuxième, puis on a le troisième. Le deuxième et le troisième. Alors, pour le premier, combien on a de cas possibles? On a 10. Pour le deuxième, combien on a de cas possibles, puisque il n'y a pas des athlètes qui peuvent être le premier et deuxième à la fois, donc on a 9, puisque 1 est déjà le premier. Et combien on a pour le troisième? Alors c'est 8, et d'après le principe fondamental du dénombrement, c'est 10 fois 9 fois 8 qui est égal à 720 possibilités. Ou ici. Voilà. Très bien. Alors, dans ce concept du dénombrement, on a quelques notions. Ces notions qui sont importantes à retenir et que vous pouvez utiliser dans le calcul des probabilités. Ensuite. Par exemple, lorsqu'on a parlé de l'expérience des athlètes de la course, alors vous pouvez remarquer que dans cette expérience, une personne ou une athlète ne peut pas être le premier et le deuxième à la fois. On peut dire ici, il n'y a pas le concept de répétition, pas de répétition. Pas de répétition. Ça veut dire dans la première étape et la deuxième étape, il n'y a pas de chevauchement. On ne peut pas répéter la même possibilité dans les deux cas. Le même cas dans le premier et le deuxième. On remarque qu'il n'y a pas de répétition. Et comme deuxième chose, il y a ici un ordre. Il y a un ordre. Ça veut dire que le premier, si on a par exemple l'athlète 1 et le premier, l'athlète 2 et le deuxième, et l'athlète 3 et le troisième, c'est pas la même chose que l'athlète 2 et le premier, l'athlète 1 et le deuxième, et l'athlète 3 et le troisième. C'est pas la même chose, surtout dans une course. Alors on peut dire que si l'ordre il est important. L'ordre est important. On peut dire que lorsqu'on a une expérience, dans ce cas, qui n'a pas le concept de répétition, et que l'ordre il est important, donc chaque possibilité, on l'appelle un arrangement. On l'appelle arrangement. Donc chaque possibilité parmi ces possibilités, c'est un arrangement. On peut dire que si on veut les trois premières personnes de cette course, c'est qu'on a un arrangement de 3 parmi les 10 athlètes. Arrangement de 3 parmi 10. Et on peut dire que ce calcul s'est dit que on peut commencer par ce numéro-là, 10. On le multiplie par les précédents jusqu'à avoir 3 numéros. Alors 10 fois 9 fois 8, ça fait 3. 3 multiplications, donc 10 fois 9 fois 8, ça fait 720. On peut appliquer ça sur l'expérience des codes PIN. On a un code PIN de 4 chiffres qui sont deux à deux distincts. Ça veut dire qu'il ne peut pas se répéter. Alors, dans cette expérience,
Il n'y a pas de répétition. On ne peut pas avoir, par exemple, 9, 9, 9, 2. On va pas accepter ça. On suppose dans cette expérience que ce code PIN ne doit pas répéter le même chiffre. Est-ce que l'ordre est important? Oui, puisque un numéro 9, 8, 7, 6, c'est pas comme 6, 7, 8, 9. Bien sûr, dans un code PIN, c'est pas la même chose. Donc l'ordre, il est important. Donc si on veut calculer le nombre de cas possibles, on dit que c'est l'arrangement de 4 parmi 10. On a 10 chiffres, de 0 à 9. Donc ça veut dire que c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7. Et on peut calculer le nombre de cas possibles. Alors, on appelle ça un arrangement. Et si on veut, en général, calculer un arrangement de P parmi N, donc c'est combien? On commence par N et on multiplie par les précédents, N-1, N-2, jusqu'à avoir ici un P chiffre. Ou P numéro, P facteur. Très bien. Passons à un autre concept. Lorsqu'on prend un exemple de on va prendre des lettres, par exemple A, B, C et D. Et on veut former deux lettres parmi ces quatre lettres. Et on suppose qu'on ne s'intéresse pas à l'ordre de ces lettres. Par exemple, si on dit qu'on veut former deux lettres parmi ces quatre, on peut dire que AB, c'est un cas possible. BA, on peut le considérer, c'est la même chose. Donc pour nous, c'est la même chose, donc on ne va pas le prendre. Donc on a AB, on a AC, on a AD. On ne veut pas dire BA puisqu'il est déjà dit ici. Donc on a BC et on a BD. Et on a CD. Alors, combien on a ici? On a 6 cas possibles. Si vous me dites, par exemple, CB, non, parce que c'est déjà ici. On a supposé ici que l'ordre pour nous n'est pas important. Et on n'a pas de répétition. On a supposé aussi qu'on n'a pas de répétition. Alors, pas de répétition. Et pas d'ordre. L'ordre n'est pas important. On va dire que l'ordre n'est pas important. Alors, dans ce cas, dans cette expérience, on peut dire que chaque possibilité ou chaque issue, on l'appelle une combinaison. On a une combinaison. Par exemple, ici, on a une combinaison. On va dire C de deux lettres parmi quatre. Deux lettres parmi quatre. Combien on calcule cette combinaison? On a une formule qui dit, on prend ce chiffre-là et on le met sous forme de factoriel, 4 factoriel, sur 2 factoriel et 4 moins 2 factoriel. Et on fait la différence. Déjà, c'est quoi le factoriel? Le factoriel, c'est lorsqu'on multiplie ce nombre-là par tous les nombres qui les précèdent. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Si je vous dis 7 factoriel, ça veut dire c'est 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 2 fois 1. Alors si on calcule ça, 4 factoriel c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Sur 2 factoriel c'est 2 fois 1. 4 moins 2 ça fait 2, donc 2 factoriel c'est 2 fois 1. Si on fait une réduction, ça va donner 6.
Et c'est exactement le nombre de cas possibles qu'on a ici. Alors, 6 cas possibles dans cette expérience. Alors, ça, c'est le concept du dénombrement. Surtout lorsqu'on a une expérience de ce genre qui n'a pas de répétition et que l'ordre n'est pas important. On peut, un exemple qui, on peut le prendre comme un cas particulier, lorsqu'on a une expérience qui, d'un arrangement, mais par exemple un arrangement de n parmi n. Ça veut dire si on suppose qu'on a 4 chiffres, on veut former un code PIN de 4 places. On suppose qu'on a 4 chiffres. Alors pour nous, ici il y a 4, ici il y a 3, ici il y a 2, ici il y a 1. Alors le principe fondamental, c'est 4 fois 2 fois 1. C'est comme on a un arrangement de n parmi n. Dans ce cas, on l'appelle une permutation. Dans ce cas particulier, on l'appelle une permutation. Et à la place de dire que a de n parmi n, on dit n factoriel. Dans ce cas, c'est 4 factoriel, donc c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça peut nous donner le nombre de cas possibles. Une dernière chose, on peut prendre. Comme dernière partie, pour que le vidéo ne soit pas très long, on va étudier le type de tirage. Il y a ce qu'on appelle le type de tirage d'une expérience bien précise qu'on va étudier. Alors, pour le type de tirage, c'est généralement le cas du bac marocain, on pose souvent ce cas de tirage. Ça veut dire qu'on a un sac et ce sac contient 10 boules. Supposons qu'on a ici 6 boules. Et on veut tirer 2 boules parmi ces 6 boules. On peut dire qu'on étudie 3 possibilités. Soit on tire ces 2 boules simultanément. Ça veut dire qu'on prend 2 boules à la fois. On prend dans un seul tirage, on tire les 2 boules. Ça veut dire qu'on les prend 2 à la fois. Dans ce cas, on va l'étudier et dire. Lorsqu'on prend les 2 boules à la fois, alors on peut remarquer qu'on n'a pas de répétition. Pas de répétition. Pourquoi? Est-ce qu'on peut tirer la même boule, 2 fois dans un essai? On tire, on met la main dans le sac et on tire 2 boules, une seule fois. Alors, est-ce qu'on peut tirer la même boule? Donc, c'est pas logique, bien sûr. Donc, on peut dire qu'on n'a pas de répétition. Et bien sûr, on n'a pas d'ordre. Alors, lorsqu'on tire, on met la main dans le sac et on tire 2 boules, on ne sait pas quelle est la première et quelle est la deuxième. On n'a pas ce concept-là. Et si vous remarquez, lorsque j'ai parlé de pas de répétition et pas d'ordre, on a parlé de combinaison. Alors, si on veut calculer le nombre de cas possibles de cette expérience, et je parle pas de probabilité, c'est juste le calcul de nombre de cas possibles, ça veut dire qu'on a combinaison de 2 parmi 6. Vous pouvez calculer ça à la calculatrice, ou vous pouvez faire la formule 6 factoriel sur 2 factoriel, 6 moins 2 factoriel. Alors, ça peut donner 6 fois 5 fois 4 fois 2 fois, on peut le mettre sous forme de 4 factoriel. Ici, 2 factoriel, c'est 2 fois 1. Et 6 moins 2, c'est 4 factoriel. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors, on peut réduire par ça. Donc, ça peut nous donner 6, c'est 3 fois 2. Donc, ça peut donner 15. Alors, on a 15 cas possibles. Ça veut dire, c'est quoi ces 15 possibles?
ça et ça, 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 ainsi de suite. Vous pouvez trouver qu'il y a 15 combinaisons. On appelle ça le nombre de cas possibles de cette expérience. Deuxième cas, si dans ce sac où il y a 6 boules, on veut tirer 2 boules, cette fois on va les tirer successivement et sans remise. Ça veut dire qu'on tire une boule, on voit par exemple sa couleur, le numéro qu'il porte, ainsi de suite. On la remet pas dans le sac. On la pose, on tire une boule, on la pose, puis on tire la deuxième boule et on la pose aussi. On peut dire qu'on a tiré deux boules. Alors, combien de cas possibles? On peut remarquer donc que dans cette expérience, est-ce qu'on peut tirer la même boule deux fois? Bien sûr que non, puisqu'on ne remet pas la boule dans le sac. Ça veut dire si on tire la boule, on la met à part. Et la deuxième boule, et on la met à part. On ne peut pas tirer la même boule deux fois. Donc on n'a pas le concept de répétition, pas de répétition. Est-ce qu'on a l'ordre? Bien sûr, vous avez remarqué que lorsque j'ai tiré les boules, j'ai dit que j'ai tiré la première boule, puis la deuxième boule. Donc, on a le concept ici d'ordre. Donc, l'ordre, il est important. L'ordre est important. Alors, dans ce cas, on peut dire que chaque cas possible, c'est un arrangement. Et le nombre de cas possibles de cette expérience est un arrangement de 2 parmi 6. Ça veut dire que 6, 6 fois 5. Il y a deux chiffres ici. Donc 6 fois 5, ça fait 30. C'est plus que l'autre expérience, puisque l'ordre ici est important. Donc ça donne 30 cas possibles pour cette expérience. Et comme troisième cas, exemple. On peut dire qu'on a deux boules, on tire deux boules de la même sac, successivement, comme tout à l'heure, mais cette fois, on peut remettre la balle dans le sac, donc avec remise. Ça veut dire qu'on tire une boule, on tire une boule, on la remet dans le sac, puis on tire une autre boule. Est-ce qu'il y a le concept de répétition ici? Oui, puisque si je tire une boule la première fois, je peux la retirer une deuxième fois, puisque je l'ai remis dans le sac. Donc, il y a le concept de répétition. Et je peux parler aussi que l'ordre, il est important, puisque j'ai tiré successivement. Et j'ai dit que j'ai tiré la première boule, puis la deuxième boule. Donc l'ordre, il est important. Alors dans ce cas, si je veux calculer le nombre de cas possibles, je calcule avec les notions normalement très claires. Principe fondamental du nombrement, c'est la puissance. Ici, on a, je veux tirer deux boules parmi les 6. Donc on a 6 à la puissance 2. C'est 6 fois 6, c'est 6 fois la première étape, et 6 fois la première deuxième étape. Le principe fondamental du nombrement, c'est 6 fois 6, ça fait 36. Et voilà, vous pouvez maintenant calculer le nombre de cas possibles de chaque tirage. D'ailleurs, ici, vous pouvez le prendre comme une règle. Lorsqu'on a un tirage simultané, c'est qu'on a le nombre de cas possibles et la combinaison du nombre de boules parmi le nombre de boules tirées parmi le nombre de boules qu'il y a dans le sac. Si on a un tirage successif et sans remise, c'est qu'on a chaque cas est un arrangement. Et si on a un tirage successif avec remise, on utilise la puissance.
Alors, on peut prendre un exercice. Et on va l'étudier cas par cas. Parce que ça, sur ça se reposent les probabilités. Si vous avez compris ça, vous n'allez pas trouver généralement de problème pour les questions du dénombrement. Supposons qu'on a une urne ou une sac qui contient 10 boules. Et on va dire que on va prendre 11 boules, on va prendre 4 rouges. On a 5 vertes. Et on a 2 bleus. Donc ça fait 11. Dans le premier tirage, on va supposer qu'on tire simultanément 3 boules. Donc 3 boules simultanément. De lieu. Première question, on peut dire quel est le nombre de choix possibles. On veut calculer le nombre de cas possibles de ce tirage. On n'a pas spécifié de couleur, donc on n'a pas d'importance. Le couleur n'est pas important ici. Alors, si on veut calculer le nombre de cas possibles, bien sûr, on a un tirage simultané. Ça veut dire on a chaque cas est une combinaison. Donc, on a une combinaison de quoi? Combinaison de 3 boules parmi 11. Et si on calcule ça, ça va nous donner 11 factoriel sur 3 factoriel, 11 moins 3 factoriel. Donc ça donne 11 fois 10 fois 9. 11 fois 10 fois 9 fois 8 factoriel. 3 factoriel, c'est 3 fois 2. 11 moins 3, ça fait 8 factoriel. Donc ça va nous donner 9 c'est 3 fois 3 et 10 c'est 5 fois 2. Donc 55 fois 3 c'est 165. Donc on a 165 possibilité de tirer 3 boules simultanément de cette urne. Deuxième question, on veut le nombre de cas possibles d'avoir 3 boules rouges. On parle de cas possibles et non pas de probabilité. Alors on veut les cas possibles d'avoir les 3 boules rouges parmi ces rouges-là. Ça et ça et ça, ou ça et ça et ça, ou ça et ça et ça, ainsi de suite. Alors on a une combinaison, on veut 3 boules parmi les rouges, ça veut dire 3 parmi les 4. Alors il y a une propriété qui dit on a ici 3, ici 4. Donc si vous calculez ça, vous trouvez que c'est égal à 4. On a 4 possibilités, les mêmes que j'ai dit ici, ça et ça, ça. 1, 2, 3 et 4. Troisième question. On veut le nombre de choix ou le nombre de cas pour avoir des boules de même couleur. Alors, pour avoir des boules de même couleur, lorsqu'on tire simultanément, soit on peut avoir trois rouges, soit on peut avoir trois verts. Bien sûr, on ne peut pas avoir trois bleus puisqu'il y a deux bleus et nous, on tire simultanément, on tire les trois boules à la fois. Donc, soit on a trois rouges, c'est justement ce qu'on a calculé tout à l'heure, c'est trois parmi quatre, ou on va ajouter les cas possibles pour avoir trois verts. Donc, plus trois parmi cinq. Donc, ça va dire que c'est quatre plus c'est trois parmi cinq. On a calculé 5 factoriel sur 3 factoriel sur 5 moins 3 factoriel, c'est 2 factoriel. Donc c'est égal à
5 fois 4 fois 3 fois 2 factoriel sur 3 fois 2 factoriel. Donc c'est égal à 10. Ça, c'est égal à 10. Donc 4 plus 10, c'est égal à 14. On a 14 cas possibles pour avoir des boules de même couleur. Quatrièmement, question 4. On veut calculer le nombre de choix d'avoir des boules de couleurs différentes. Couleurs différentes. Bien sûr, il y a beaucoup de possibilités. Soit on peut calculer, on peut avoir bleu, vert, rouge. Comme on peut avoir bleu, vert, on peut dire que ça, ce sont des boules différentes, même s'il y a deux qui se ressemblent. Mais ils ont dit juste différents. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a deux possibilités de comprendre les choses. Mais lorsqu'on dit que c'est différent 2 à 2, on peut dire que toutes les boules sont différentes. Lorsqu'on dit qu'ils sont différents et on arrête, alors on peut avoir verte, verte, rouge. Ça, ce sont des boules qui sont différentes. Alors dans ce cas, on a beaucoup de possibilités. Boules bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge, ainsi de suite. Mais on va le calculer autrement. On a calculé le nombre de cas possibles, qu'on a 165. C'est tout le nombre de cas possibles. Et on a calculé le nombre de possibilités d'avoir trois boules de même couleur. Trois boules de même couleur, donc c'est 14. Donc généralement pour avoir les autres cas où on a les boules qui sont différentes, on peut tout simplement faire 165 moins 14. Il y a des propriétés dans ce cas, et je vais les interpréter après lorsque je vais parler des probabilités. Alors 165 moins 14, donc c'est égal à 151. On a 151 possibilités pour avoir trois boules différentes. Alors pour le cinquième question, on veut le nombre de choix d'avoir trois boules de couleurs différentes, 2 à 2. Ici, on a un seul cas qui est bleu, vert, rouge. Bleu, vert, rouge. Donc il y a un seul cas. Donc soit on a une bleue parmi les deux. C'est pas un seul cas possible, mais un seul cas d'avoir bleu, vert, rouge. Mais le nombre de cas possibles, on peut le calculer ainsi. On a les bleus, on a deux possibilités. Les verts, on a cinq possibilités. Et les rouges, on a quatre possibilités. Donc le principe fondamental du nombrement, c'est 2 fois 5 fois 4. On peut le calculer autrement et on dit on veut une bleue, ça veut dire une parmi deux. Et donc, une verte, c'est une parmi 5. Et une rouge, c'est une parmi 4. Donc ça va donner 2 fois 4, 5 fois 4, ça fait 20 fois 2, ça fait 40. C'est 2 fois 5 fois 4. Ça fait 40 possibilités. Alors une dernière question. On veut que le nombre de choix d'avoir, on veut calculer le nombre de choix d'avoir deux boules rouges et une boule bleue. Deux boules rouges et une boule bleue. Deux rouges et une bleue. Ça veut dire on a deux parmi cinq. Les rouges ont combien de rouges? Deux parmi quatre. Fois une parmi les bleus, une parmi deux. Lorsque je dis et, je mets fois. Lorsque je dis ou, vous remarquez que je mets le plus. Donc deux boules rouges et une boule bleue. Ça fait 2 parmi 4, c'est 4 factoriel sur 2 factoriel fois 2 factoriel. Plus multiplié par c de 1 parmi 2, c'est 2. Ici, ça va nous donner
4 fois 3, donc ça va donner 6 fois 2, ça fait 12. Refaire les calculs si j'ai fait une faute. Voilà, ça, c'est les questions classiques qu'on peut avoir lorsqu'on fait un tirage simultané. On va prendre les mêmes questions, mais cette fois, dans ce turn-là, on a 4 rouges, le même urne, donc 5 vertes et 2 bleus. On tire 3 boules de cette urne, mais cette fois, successivement, et sans remise. Alors, on peut dire que on va prendre les mêmes questions que tout à l'heure. On a 11 boules et on veut tirer 3. Donc, le nombre de cas possibles, c'est la question 1. On ne spécifie pas les couleurs. Donc, on tire. Chaque cas est un arrangement puisque on a dit que il n'y a pas de répétition et l'ordre, il est important. Donc, arrangement de 3 parmi 11. C'est 11 fois 10 fois 9. Donc c'est égal à 990. Cas possibles. Bien sûr, c'est plus que le tirage simultané puisque l'ordre ici, il est important. Donc il y a plusieurs cas à considérer. Question 2, comme tout à l'heure, le nombre de choix d'avoir 3 boules rouges. Donc, les cas qu'on a, c'est rouge, rouge, rouge. Donc, c'est un arrangement, bien sûr, de 3 parmi les rouges. Donc, parmi 4, c'est 4 fois 3 fois 2. Donc, ça fait 12 fois 2, ça fait 24. Très bien, donc, on passe à la troisième question. On veut des boules de même couleur. Même cas, donc soit les couleurs soit rouge, soit verte. Bien sûr, on ne peut pas avoir les bleus puisqu'on remet pas les boules dans le sac, donc on peut pas retirer 3 boules bleues. Alors c'est soit les boules, ou lorsque je dis ou, donc j'ai plus, ou par exemple j'ajoute les autres cas des boules vertes, donc 3 parmi 5. Donc c'est 24 plus 5 fois 4 fois 3. Donc ça fait 20 fois 3, c'est 60. Donc ça va donner 84. Alors quatrièmement, je veux calculer le nombre de choix possibles d'avoir 3 boules de couleurs différentes. Comme j'ai dit tout à l'heure, différentes, ça veut dire qu'on peut avoir deux boules qui ont la même couleur et une boule qui est différente, ça veut dire que les trois boules sont différentes. Comme tout à l'heure, on va prendre le nombre de cas possibles et on va soustraire le nombre de cas d'avoir les boules de même couleur. Et vous pouvez calculer ça. Ça va donner 906. 906 possibilités. Alors la cinquième question, c'est avoir le choix de trois boules de couleurs différentes 2 à 2. Différentes 2 à 2, ça veut dire bleu, verte, rouge. C'est ça? Oui. Mais ici, il y a, si je peux l'appeler un petit piège, parce que il y a d'autres possibilités, puisque l'ordre il est important. Bleu, vert, rouge. Qu'on peut calculer bleu, ça veut dire c'est un arrangement de 1 parmi 2, donc c'est 2. Vert, c'est 1 parmi 5, c'est 5. Et 1 et rouge et 1 parmi 4, c'est 4. C'est 2 fois 5 fois 4, normalement. Mais on a d'autres possibilités. On peut avoir bleu, rouge, verte. Ça, c'est pas le même cas. On peut avoir verte, bleu, rouge. Verte, rouge, bleu. On peut avoir rouge, bleu, vert.
rouge, vert, bleu. Donc on a six d'autres cas à considérer. Alors si on veut, si on met 2 fois 5 fois 4, ça veut dire que c'est bleu fois vert soit rouge. Et on a ce cas-là. Mais nous, on a la même calcul qui se répète pour chaque cas ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce calcul-là et on va le multiplier par 6. Donc ça va donner 2 fois 5, c'est 10, fois 4, c'est 40, fois 6, c'est 240. On a 240 possibilités d'avoir couleurs différentes 2 à 2. Alors la question 6, on veut avoir question 6. On veut avoir deux boules rouges, comme tout à l'heure, et une boule bleue. Ici, vous pouvez remarquer aussi que deux boules rouges et une boule bleue, il y a d'autres possibilités. Soit rouge, bleu, rouge. Soit bleu, rouge, rouge. Donc, il y a ces trois possibilités. Donc ici, on peut avoir deux boules rouges, ça veut dire que c'est un arrangement de 2 parmi 4. Et une boule bleue, c'est un arrangement de 1 parmi 2. Et c'est le même calcul ici et ici. Donc ça peut nous donner que ça, c'est multiplié par 3. Ce qui veut dire que c'est 3 fois arrangement de 2 parmi 4, c'est 12. Arrangement de 1 parmi 2, c'est 2. Donc 2 fois 3, c'est 6. 6 fois 12, c'est 72. Donc on a 72 possibilités. Essayez de refaire les calculs si j'ai fait de fautes de calcul parce que je suis un peu pressé, surtout que leur vidéo est trop longue. Alors, troisième exemple, on prend la même urne, 4 rouges, 5 vertes et 2 bleus. Et cette fois, on tire 3 boules successivement. Avec remise. Ça veut dire qu'on tire la première balle, on la remet dans le sac, on tire la deuxième balle, on la remet dans le sac, et on tire la troisième balle et on la remet dans le sac. Première question, le nombre de cas possibles, en considérant pas les couleurs. Donc, on a 11 boules, on veut les tirer 3, donc c'est 11 à la puissance 3. Donc, c'est 11 fois 11 fois 11. Donc, essayez de calculer ça. Je crois que ça donne 1331. Question 2. On veut calculer le nombre de choix d'avoir 3 boules rouges. Donc, combien on a de rouges? On a 4. Donc, 4 fois 4 fois 4. 4 à la puissance 3. Donc, c'est 64. Question 3, on veut avoir des boules de même couleur. Donc ici, vous pouvez remarquer qu'on peut avoir 3 boules rouges, 3 boules vertes. Et vous pouvez faire la remarque qu'on peut aussi avoir 3 boules bleues. Car je peux retirer une bleue, la remettre dans le sac, retirer une autre bleue, la remettre dans le sac. Donc je peux, dans le troisième tirage, tirer une autre bleue. Il y a ici le concept de répétition, donc c'est possible. Donc on peut avoir soit des boules rouges, soit des boules vertes, ou des boules qui sont bleues. Donc ça va donner 64 plus 125 plus 8. Et calculer ça va donner... Alors 125 plus 64
Ça va donner 189 plus 8. Donc ça va donner 197. Alors, quel est le nombre de choix d'avoir trois couleurs différentes? Comme tout à l'heure, on va prendre le nombre de cas possibles et on soustrait le nombre de choix d'avoir les couleurs, les boules de même couleur. Le nombre de cas possibles d'avoir les couleurs 2A2 différentes, donc soit rouge, soit vert, soit bleu. Donc rouge c'est 4, vert c'est 5, bleu c'est 2. Et comme tout à l'heure, puisque l'ordre il est important, donc on va multiplier comme tout à l'heure par 6. Donc ça va donner 240. Et dans le sixième cas, on veut avoir deux boules rouges et une boule bleue. Donc deux boules rouges, ça veut dire qu'on a 4 fois 4, donc deux boules rouges. Une boule bleue, ça, on a deux possibilités. Et on multiplie ça par 3, donc ça va donner 3 fois 16 fois 2. Donc c'est 16 fois 6, ça fait 96. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était très longue. J'espère que c'est utile et à très bientôt.